Bienvenue à tous dans le second numéro de l'AVP. L'AVP, c'est l'avant-première, c'est-à-dire les previews pour Jeux Vidéo Magazine. Et aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Raphaël Lucas. Salut Raph, ça va ? Ça va, Nono ? Bah oui, Raphaël qui est un pilier de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. Hein. Ça fait longtemps que tu travailles dans le magazine. Dans le jeu vidéo tout court. Dans le jeu vidéo tout court, ouais, plus de 20 ans, enfin bon bref. Enfin voilà, donc et Raph, il a été joué pour Jeux Vidéo Magazine il y a 15 jours environ. Ouais. À Resident Evil 3, et oui. Alors, Raph, raconte-nous un petit peu, combien de temps t'as pu jouer, qu'est-ce que t'as pu voir, c'est à toi. Alors, pour rappel peut-être, on rappelle peut-être l'histoire du jeu rapidement. Oui, si tu veux, vas-y. En fait, c'est Jill Valentine, l'action se passe avant Resident Evil 2, le remake, celui que donc on a joué il y a quelques... Tout à fait. Un peu plus d'un an, et un peu après aussi. D'accord. Donc, en fait, ça introduit, ça contextualise Resident Evil 2, et ça lui donne une fin, et... Je sais pas si on peut spoiler. Tu l'as vu la fin du Resident Evil ? Oui, je l'ai vu la fin, mais il y a très longtemps. Non, on va laisser. Oui, je me rappelle très bien comment ça se termine. On ne leur dira pas ici, parce que bon, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas du tout la série, voilà, on va pas vous spoiler. Encore. Je pense qu'il y a parmi les gens qui nous regardent des gens qui ne connaissent pas. Bon, ouais. Bref, donc oui, en tout cas, ça se finit pas très bien. Et donc là, tu t'es retrouvé dans les rues de Raccoon City. Ensuite, on avait un passage dans les égouts principalement. Ouais. Et retour dans les rues. Voilà, il y a un petit peu de métro, mais très très peu, juste quelques rames, enfin très court. D'accord. Donc voilà, c'est principalement les égouts et l'extérieur et les rues de Raccoon. Alors en termes de gameplay, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au remake du 2 ? Alors, c'est très proche du remake du 2, ouais. Très, je veux dire. Il y a beaucoup de choses qui sont identiques, évidemment qui sont identiques aussi à la série. Hein. On retrouve les menus traditionnels, on retrouve les herbes vertes, les mélanges d'herbes, les sprays, des armes qui ça, sont... Ça, c'est le décorum Resident Evil classique, on va dire. Donc en fait, et à côté de ça, par contre, on a quelque chose qui est une dynamique qui est un petit peu différente du 2, ouais. Dans le sens où on est dans un jeu qui intègre l'esquive. D'accord. Alors l'esquive, ça change quoi dans le gameplay classique d'un Resident Evil ? Bah là en fait l'esquive te permet tout simplement d'éviter leurs coups, t'attends leurs coups, mm-hmm. Tu l'évites et ils ont rajouté une nouvelle chose, ouais. Qui n'est pas dans l'original, c'est que quand tu fais une esquive parfaite, ouais. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement timée, c'est-à-dire exactement au bon moment quoi. Exactement. Le jeu ralentit, c'est-à-dire ouais. Que l'action ralentit, d'accord. En fait, t'as le temps de tirer par exemple en pleine tête du zombie ou des choses comme ça quoi. Et ça permet surtout, enfin moi je m'en suis surtout servi pour bien m'échapper, et surtout face à Nemesis, parce qu'il a tendance à, on va le dire... Oui, on en parlera un petit peu du Nemesis, on va un petit peu après, on verra, parce qu'il y a encore 2-3 trucs à dire, je pense. Okay, bon, bah, donc voilà, donc l'esquive est intéressante, elle m'a permis notamment sur la fin de la démo de passer les 5-6 zombies plutôt que d'essayer de les tuer, plutôt quoi, envie de voir, et d'économiser aussi un petit peu tes balles, quoi. L'économie de balles, c'est un sujet intéressant parce que pour le coup, on a parlé un petit peu avant. L'économie de balles, c'est un sujet intéressant puisque si vous vous souvenez, dans le 2, remake du 2, ouais. On avait tendance à tomber un peu à court de balles de temps en temps. Oui, souvent même. C'est souvent un peu la raison pour laquelle j'ai eu du mal à finir le jeu parce que je me suis retrouvé face à des monstres, j'avais plus de balles, donc enfin bref. Voilà. Donc, et bah là, non. Là, on tombe plus à court de balles parce que justement, grâce au crochet, au latéral qu'on trouve un peu plus tard. Ouais. On peut revenir en arrière, récupérer du matériel évidemment pour améliorer ses armes, notamment la visée. Et surtout, on n'a pas de problème de balles. Moi, je me suis retrouvé à la fin sans trop économiser, mis à part les 5 derniers zombies. À la fin de la démo, tu veux dire. À la fin de la démo, oui. Ouais. Pas du jeu, parce qu'on avait que 2 heures de démo. À la fin de la démo, je me suis retrouvé avec, je sais pas, je devais avoir 50 ou 60 balles de pistolet. Et, ouais. Pareil, le pompe était rempli. Ouais, donc on voit que c'est quand même un peu plus orienté action que le 2. Ouais, surtout si tu utilises des skiffs, c'est le bon oui. Moyen, tu vois. Voilà, donc c'est ça, c'est l'introduction des skiffs qui te permet effectivement d'économiser un peu des balles, donc du coup d'être un peu plus stuffé face aux gros monstres qui sont, transition toute trouvée, notamment le Nemesis. Le Nemesis qui est donc apparaît un petit peu plus tard après. Dans la démo. Dans la démo, enfin, ouais. Qui apparaît après 30 minutes environ, après un script que je vais pas. Non, on ne va pas dévoiler. Il apparaît à ce moment-là et il est beaucoup plus virulent que dans mon souvenir. Ouais. Ah, et déjà, il est beaucoup plus virulent que Mr. X dans le jeu. Donc, on rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Nemesis, d'où son nom, c'est un ennemi qui vous poursuit tout au long du jeu et qui va apparaître comme ça à des instants, généralement, on ne sait pas trop quand justement, c'est un peu la surprise. Et qui va vous mettre un peu la misère parce qu'il est quand même super fort, quoi. Il est super fort, mais on le voit venir. Ouais. Ça veut dire qu'il a tendance à avoir des routines qui sont prévisibles. Ouais, quand même, ouais. Bah oui. Enfin, tu le vois, il marche comme Mr. X et à certains moments, il commence à prendre son élan. Ouais, donc là, tu sais que... Position, et là, tu sais qu'il va falloir esquiver. D'accord. Ou alors, tu peux l'arrêter en utilisant, j'allais y venir, un des moyens de ne pas aller dans le combat, ouais. C'est aussi de tirer dans des éléments du décor. Il y a des barils explosifs. D'accord. Qui permettent soit de
calmer le Némésis ou de nettoyer quand il y a 5 ou 6 zombies, parce qu'il y a plus de zombies là dans cet épisode. Il y a aussi des sortes de flaques d'eau avec des trucs électriques, des câbles électriques, et si on tire dessus, ça immobilise même le Némésis. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette prise en main du solo avant de passer au multi? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation? Alors, étonnamment, alors que Resident Evil 2 Remake, j'avais cette étrange impression de visiter un lieu que je connaissais par cœur, parce que j'avais terminé le 2 de A à Z et dans tous les jeux possibles, dans toutes les... cette impression-là, je l'ai moins vue sur ce 3. Je reconnaissais les lieux, je reconnaissais certaines créatures, le Némésis, etc. Mais c'était moins, il y avait moins ce rapport. C'est moins bizarre. Côté remake finalement, en fait. T'as pas l'impression de jouer au même jeu qu'à l'époque, quoi. Oui et non. c'est pour ça que c'est compliqué. Tu es bien compliqué, mon cher Raphaël. Il y a cette impression, mais elle n'est pas si vivace. D'accord. Tu reconnais les rues, tu dis, j'ai déjà fait ça, je reconnais ça, mais là, il y a ce truc-là qui est nouveau. Ce truc là qui est nouveau, mais c'est beaucoup moins prégnant que dans le 2 remake, tu vois. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et en même temps, il conserve tout ce qu'il y a de super classique, comment dire, old school dans la série, à savoir ces allers-retours et ces nombreux objets à aller chercher, tu vois, pour te faire des allers-retours dans la ville, d'accord, et profiter au maximum du décor. Cette partie de Raccoon, en fait, c'est il y a 3 rues. Et tu vas aller faire de long en large, dans tous les sens, et voir même utiliser ces certains passages, par exemple des échelles, pour éviter le Némésis. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est à ta gauche, tu sais qu'il y a ton échelle devant toi, tu vas prendre l'échelle, parce qu'évidemment, lui ne va pas emprunter l'échelle. Alors techniquement, tu trouves ça, j'imagine que vu que c'est le même moteur que le RE2 Remake, c'est assez proche. On ne peut pas s'attendre à une claque comme a pu l'être le précédent. Quand tu dis on s'attend pas à une claque, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est beau, quoi. C'est beau, mais c'est pas beaucoup plus beau que le 2. On a joué sur PS4 Pro. D'accord. Et ça tournait nickel. Ouais, pas de soucis de... J'ai rien vu, même en utilisant, même avec Némésis et plusieurs zombies autour. Ouais. Ça ralentissait pas. Alors par contre, j'aurais peut-être quelques petits... Mais c'était une version qui n'était pas finale. Oui, bien sûr, on a toujours en preview. Quelques semaines. En avant-première. De développement. Il y avait des petits problèmes de caméra parfois quand justement il y avait beaucoup de monde et que tu esquivais, c'était pas très clair. Il m'avait semblé que c'était pas très clair. D'accord. Bon. Enfin, le reste du temps, quand on est dans un mode classique de combat, visée, tout ça, on retrouve exactement Resident Evil 2, caméra à l'épaule, avec la visée qui rétrécit au fur et à mesure. Oui. On avait déjà ça dans le 2, effectivement. Ouais. Tu m'as dit aussi qu'a priori, t'as quand même besoin de moins de balles pour tuer les zombies. Alors, c'est ce qui m'a semblé. Ouais. Après, il faut dire qu'une fois que j'ai eu le pompe, je me suis servi que du pompe, donc c'était... Oui, ouais, forcément, là, ça s'est bien passé. Mais tu le trouves après une demi-heure, après une section dont on a, je crois, pas le droit de parler, j'ai l'impression. Et le pompe, il simplifie largement. Mais en fait, réellement, l'esquive te permet, surtout vers la fin de cette démo, donc de ces 2 heures de jeu, de vraiment passer outre les zombies et puis en tenir compte, quoi. Juste un petit truc à rajouter, c'est que le couteau ne suce plus. Ah! Donc en fait, la technique de tirer dans les jambes pour finir en couteau ensuite. Pour finir en couteau, là, elle marchera beaucoup mieux. Ah, tu peux le faire beaucoup plus. D'accord. Tu peux le faire à fond, quoi. Enfin, tu peux faire que ça. D'accord. Ouais. Donc ça, c'était pour le solo. On va passer maintenant au mode multi du jeu, donc qui s'appelle Project Resistance. Alors, on rappelle brièvement le concept, c'est du jeu asymétrique. D'un côté, vous avez 4 personnages, donc 4 joueurs qui jouent en coopération, qui doivent s'en sortir. En face, un mastermind qui, lui, doit tout faire pour leur faire perdre du temps et pour les piéger dans des pièces. Et donc, on va commencer avec le mastermind. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on joue avec ce personnage? Alors, le mastermind, c'est un joueur particulier parce qu'en fait, c'est le seul à avoir une vision générale de toute la map. D'accord. De chaque section de map. Ça veut dire que tu peux afficher la carte et tu vois les joueurs, les autres joueurs, qui eux sont emprisonnés dans la carte. Dans la carte, se déplacer, tu les vois en temps réel se déplacer. Et tu peux te déplacer, tu peux avec ton pad, puisqu'on était sur PS4, tu peux déplacer de caméra en caméra, choisir une caméra, d'accord, et interagir via ces caméras, parce qu'on interagit que par les caméras. D'accord, donc tu passes d'une caméra à l'autre en fait, c'est ça? C'est ça, et tu peux soit faire avec L1 et R1, okay, soit aller sur la map, on appuie sur le truc central, enfin le pad central. Le touchpad, ouais. Touchpad, et tu affiches la carte et tu sélectionnes la caméra où tu veux aller. Et de là, tu peux invoquer des chiens tout seul ou en trio, tu peux invoquer des zombies tout seul ou en trio, tu peux invoquer différents ennemis classiques de la série, comme des plantes géantes, des choses comme ça. D'accord. Et tu peux aussi invoquer
un gros monstre de la série. Ça peut être Mister X, ça peut être Nemesis, ça peut être... il y en a d'autres. Enfin, il y en a chacun. Il y en a 4 Mastermind pour l'instant qui ont été annoncés. Donc toi, ton but, en invoquant tout ça, c'est de ralentir les joueurs. C'est voilà. Ça, de leur faire perdre du temps. C'est parce qu'en fait, une fois que si leur chrono tombe à zéro, ils ont perdu, c'est terminé. D'accord, voilà. D'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est côté Mastermind. Alors, côté donc joueurs en coop. Donc là, c'est 4 joueurs en même temps, c'est ça ? 4 joueurs en coop. Là, il y a 6 personnages qui ont été annoncés avec des personnalités différentes et des capacités différentes. D'accord. Certaines peuvent, par exemple, un des personnages peut brouiller les caméras. Un autre peut installer des mines. Bon, évidemment, il y a une jauge de temps. Donc on peut utiliser ce pouvoir que de temps en temps. D'accord. Et ils ont un pouvoir principal, un pouvoir ultime, on va dire, pour un des personnages, c'est par exemple d'éblouir tous les zombies qui sont dans le coin. Et donc la partie, elle se déroule en plusieurs étapes, si j'ai bien compris ce qu'on a dit avant. Ouais. C'est-à-dire que tu, en tant que joueur, tu dois remplir certaines conditions pour pouvoir passer à l'étape suivante. Oui, en fait, chaque partie se passe dans 3 sections différentes. D'accord. Avec soit des objets à trouver, par exemple, la première section d'une partie... il faut trouver 3 ou 4 clés différentes, je ne sais plus. Mm-hmm. 3 ou 4 clés différentes. Ensuite, la deuxième section, il faut trouver une carte magnétique que tu vas utiliser dans plusieurs ordinateurs. Les terminaux, il y a différents endroits. Et puis après, ce sont des incubateurs que tu dois détruire, sachant qu'ils sont protégés de temps en temps. Donc évidemment, quand on arrive à la troisième section, en tant que joueur, on a moins en moins de temps, à moins qu'on ait vraiment performé sur les 2 premières sections. Ouais, t'es déjà limité un petit peu. Donc on est déjà limité dans le temps, donc il faut aller très très vite. Donc le but, je pense, c'est... je pense qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que les premières parties vont être vraiment, et c'est ce qui s'est passé pendant nos sections, à l'avantage du Mastermind. D'accord. Qui a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens d'interaction. Il peut bloquer les portes pour ralentir les joueurs, il peut éteindre les lumières pour les ralentir aussi. Eux, ils ne savent pas où sont les interrupteurs, lui, le Mastermind les voit tout de suite. Bien sûr. Je pense que dans les premiers temps, on va avoir beaucoup de parties avec des Mastermind qui vont gagner de façon quasiment à 100% tout le temps. Ouais. Il faudra que les joueurs apprennent à connaître les maps, sachent ce quoi faire. Ouais, c'est vraiment coopérer, quoi, du coup. Vraiment c'est ça. Coopérer et utiliser vraiment parfois même se répartir en 2 équipes pour aller chercher d'un côté les cartes. Sachant que le Mastermind a pouvoir, au tout début de partie, de définir là où vont être les objets. Ah oui, donc ça, ça complique encore plus le truc. Il y a des presets, il y a des presets de souvenirs et il y a la possibilité de faire un custom. D'accord. C'est-à-dire que tu mets les clés, par exemple, sur la première section du niveau, enfin du jeu. Tu les mets où tu veux. D'accord. Et donc, il va falloir que les joueurs contribuent. Voilà. Après, on est aidé souvent parce qu'il y a des personnages qui ont des capacités de voir les objets à plus longue distance que d'autres. Donc, en fait, et ça, une fois qu'une clé est indiquée, elle est indiquée pour tout le monde. Pour toutes les D'accord, clés. Donc tout le monde peut essayer d'aller chercher. Évidemment, on peut se soigner quand il y a des personnages soigneurs. On peut aussi se remettre debout quand on est par terre. On perd un peu de temps, évidemment, quand on est blessé et quand on meurt encore plus. Forcément. Et on réapparaît au début de la map. Voilà. D'accord, ok. Et alors concrètement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce mode ? Est-ce que tu trouves ça sympa ? Alors comme je viens de le dire, c'est sympa, mais j'ai peur que les gens s'en intéressent très rapidement. Ouais. Parce que il n'est pas évident. Ouais. Le Mastermind gagne souvent. D'accord. Enfin, du moins dans les parties auxquelles on a joué. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûr qu'il apporte grand-chose. Je le vois plus comme un truc supplémentaire parce que... On ne sait pas exactement combien va durer la campagne principale, bien sûr. Et alors que le 2 se suffisait parce que justement il était assez long, pour l'instant on n'a qu'une une vision très limitée de ce qu'est la campagne solo. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Que ce soit juste un truc en plus. Tu as trouvé ça sympathique, mais pas non plus. Ça réinvente rien, et ce que l'histoire nous a appris, l'histoire du jeu vidéo, c'est que tous ceux qui ont tenté ça, je pense à Fable Legends, des projets, je crois que les Shadow Hunter chez BioWare ont été annulés au bout d'un moment parce qu'en fait ça marchait pas. Quoi. Donc, le gameplay asymétrique comme ça. Asymétrique, ça. Bah, c'est toujours un peu compliqué. Ce type de gameplay spécifique asymétrique, ça marche pas bien. D'accord. Donc, bon, à voir sur la durée, mais j'ai. Je pense plus que le solo sera. Je pense que c'est le solo qui va surtout intéresser les gens plus que le. Que oui, ça me paraît assez logique aussi. Donc globalement, impression sur ce jeu. En gros, quand t'es fan, il n'y a pas trop de soucis à se faire. A priori, ça va être du bon Resident Evil. Visiblement. Après, peut-être pas une grosse originalité non plus. Mais en même temps, souviens-toi du 3 original. Tout à fait. Même s'il intégrait des nouveautés avec des passages où tu faisais des choix narratifs. Ouais. Ouf, non. ça fait vraiment longtemps. Il n'y en a pas du tout. Enfin, je veux dire, il n'y aura qu'une fin et qu'une seule aventure. Et y aura pas... La rejouabilité va être, je pense, plus limitée. D'accord. Peut-être dans l'original et peut-être dans le 2 aussi. J'ai peur. D'accord. Bon. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la prévue de Resident Evil 3. Le jeu sort le 3 avril, hein, c'est ça ? Moi, il se rappelle pas. Moi, je me rappelle. C'est mon travail. Le jeu sort le 3 avril, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette prévue en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer, il sait pas, d'activer la petite cloche, c'est important la petite cloche. Mais oui, c'est important, mais je t'expliquerai après. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr aussi acheter le magazine qui sort en kiosque le mercredi 26 février. Voilà, c'était Raphaël qui a donc joué à Resident Evil 3 en avant-première. C'était Arnaud. Ciao. Salut.